1482, lorsque le Congo démocratique fut découvert par le commandant Dingo Kao, militaire de son état, le caractère programmé des voyages d'exploration du 15e et 16e siècle, suivi de la traite négrière, ne laisseront pas échapper les valeurs traditionnelles Congo de l'influence de la domination occidentale. Et le Congo démocratique, véritable poule aux œufs d'or, restera longtemps une propriété exclusive du roi de Belge, Léopold II. Ce pays continent, tant convoité à cause de ses richesses, deviendra à l'issue de la conférence de Berlin une colonie belge, grâce à la charte coloniale conclue entre Léopold II et la Belgique, promulguée en date du 18 octobre 1908. Ces traités mettront en place des structures comprenant un ministère des colonies résidant à Bruxelles et qui avait sous son autorité le gouverneur général du Congo belge, représentant du roi et chef du pouvoir exécutif dans la colonie. C'est dans cet espace géographique occupé par le peuple Congo où le roi Léopold II exerçait une domination la plus inhumaine de l'histoire des colonies en Afrique au sud du Sahara que naîtra Papa Simon Kimbangu. Son surgissement miraculeux au milieu de ses frères de race avait valeur de référence. Avec son étonnante simplicité, sa remarquable intelligence et sa spiritualité hors des communs, Papa Kimbangu se révélera en un véritable soleil de justice, car sa présence dans la contrée d'Nkamba mettra fin à un phénomène rarissime appelé Kimbangu Fulamwana que les ancêtres invoquaient dans la détresse pour donner la vie à un mort-né dans la famille. C'est dans cet environnement secoué par l'influence coloniale où les valeurs traditionnelles ont été laminées que Papa Kimbangu, un bon visionnaire, transcendra par son attitude et comportement les barrières linguistiques, régionales, ethniques et religieuses pour rêver un tout autre Congo, celui qui doit revenir à ses fils. Ce rêve d'un exceptionnel patriotisme n'épargnera pas Papa Kimbangu des ennuis judiciaires malgré le caractère non violent du mouvement né de sa pensée religieuse. La présence de Papa Simon Kimbangu au cœur du continent noir fera briller la flamme de libération en secouant l'édifice colonial dans ses fondements. D'où sa célèbre phrase « Noir deviendra blanc, blanc deviendra noir » qui symbolise la libération des énergies constitue le socle d'une nouvelle bâtisse pour un monde meilleur. Papa Kimbangu avait grand pour agir localement. Thank you.
en ressuscitant les morts, en guérissant et bénissant tous ceux qui allaient à sa rencontre sans la moindre rétribution, la célébrité de Papa Kimbangu allait de plus en plus grandissante. Et celle-ci devenait de plus en plus inquiétante pour le pouvoir colonial qui n'hésitera pas de déclencher contre Papa Kimbangu une poursuite judiciaire. Le 6 juin 1921, Papa Simon Kimbangu se fera traquer par l'administrateur Morel qui l'a contraint à l'exil forcé en Bazassanda. Et 4 mois plus tard, Papa Simon Kimbangu se livrera personnellement à ses bourreaux le 12 septembre 1921. Ce jour-là, le spectacle était ahurissant quand l'administrateur Snook, au pied de la colline sainte, avec ses soldats, mettait la main sur le prophète noir. Et sans la moindre résistance, il sera arrêté et sous bonne garde conduit en Banzangungu pour être jugé devant le tribunal militaire. Ce procès, unique en son genre, connaîtra 7 séances dont la première audience avait eu lieu le 29 septembre 1921 et dirigé de main de maître par M. De Rossi, sujet italien, jésuite de son état, dont voici le verdict. Jugement du Conseil de guerre de Thisville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public. Contre, Kimbangu et consorts. Vu par le Conseil de guerre siégeant à Thisville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge des prévenus Kimbangu Simon, Mandobé, Zola, Matweni, Lenge, Sambu Simon, Nimba Filemon, Mata, Umbati André, Kelani John, Batoba, Samissioni, Batoba David, Malaika Setni, prévenu d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, Johan Lumbuende, Bemba et Dingo Wabela, prévenu de ladite infraction. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921, oui, le ministère public en ses réquisitions, oui, les prévenus en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes, le Conseil de guerre. Attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village Nkamba, l'administrateur du territoire des cataractes sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kimbangu, y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierre et de couteau, attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'État, attendu que le nommé Kimbangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kimbangu est parvenu en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, a imposé ses volontés aux populations, qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs, que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu'on les a excités contre les pouvoirs publics établis, attendu que Kimbangu a été reconnu par les médecins sains de corps et d'esprit, et par conséquent responsable de tous ses actes, que ces crises de nerfs ne sont que de la simulation,
qu'il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion, mais que le prévenu en a profité pour tromper la bonne foi de la masse destinée à servir d'instrument inconscient à ses fins, que le but poursuivi était celui de détruire l'autorité de l'État, attendu qu'il demeure établi que par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, Simon Kibangu s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire en désignant le blanc comme l'ennemi, en l'appelant l'ennemi abominable. Attendu qu'il est établi par les faits que Kibangu, malgré la défense de l'autorité, a continué et persévéré dans son travail en faisant croire qu'un nouveau Dieu allait venir, que ce Dieu était plus puissant que l'État même, que ce Dieu était représenté par lui, Kibangu Mfumu Simon Mvuluzi, qu'un temple nouveau, Église nationale noire, allait être fondé. Attendu que la secte des prophètes doit être considérée, organisée pour porter atteinte à la sûreté de l'État, secte cachée sous le voile d'une nouvelle religion, mais tendant à démolir le régime actuel, que la religion n'est qu'un moyen pour exciter et exalter la croyance des populations, que les foules impressionnées et poussées par la force du fanatisme doivent souvent servir d'instrument pour atteindre le but final. Attendu qu'il résulte des rapports officiels, des correspondances échangées entre Noirs, des renseignements reçus, que les Blancs sont l'objet d'une haine profonde de la part des adeptes de Kibangu, que cette haine s'est infiltrée et s'est répandue avec une rapidité alarmante parmi les indigènes, qu'il est indéniable que la doctrine de Kibangu a été cause d'une grève manquée d'abstention au travail d'un grand nombre de travailleurs. Attendu que les moyens de persuasion ont été interprétés par les natifs, les prophètes et les adeptes comme de la faiblesse, de l'impuissance de l'État contre la force spirituelle, magique, divine du thaumaturge, que s'il est vrai que l'hostilité contre les pouvoirs établis a été manifestée jusqu'à présent par des chants séditieux, injures, outrages et quelques rébellions isolées, il est pourtant vrai que la marche des événements pourrait fatalement conduire à la grande révolte, qu'il convient d'apprécier toute la gravité de l'infraction et d'intervenir en appliquant sévèrement la loi. Attendu que la nommée Mondombe, jeune fille sans expérience, suggestionnée par les simagrées du grand prophète, a agi et servi ce dernier inconsciemment, que par le fait elle doit largement bénéficier des circonstances atténuantes, que ce même bénéfice doit être accordé au nommé Lubuende Johan, qui a hébergé à Samba les prophètes et la suite de Kibangu, tout en les sachant activement recherchés par l'autorité, mais que l'exemple a été donné par le chef même du village et le chef médaillé. Le conseil de guerre, vu les articles 101 ter du code pénal livre 2 et 101 ter du code pénal livre 1, vu les articles 31 et 32 du décret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire, condamnant Simon Kibangu à la peine de mort, Zola, Matveni, Lenge, Sumbu Simon, Mimba Philemon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoma Simisioni, Batoma David, Malaika Sesni, à la servitude pénale à perpétuité. Demba et Dingo Vuabella à 20 ans de servitude pénale. Lubuenda Johan à 5 ans et Mandomb à 2 ans de servitude pénale et les frais du procès à la charge de la colonie. Et attendu qu'il y a lieu de craindre que les condamnés ne tentent de se soustraire à l'exécution du jugement, ordonne leur arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 octobre, où siègent messieurs de Rossi, juges, depuis ministère public, Derevoetz, greffier. L'environnement qui a vu être exécuté ces simagrées de procès n'offrait aucune chance à l'homme d'Inkamba de se sauver, car l'antipathie du pouvoir colonial envers Papa Kibangu était telle que seule la mort
couronnera cette machination. Mais la sentence de mort prononcée le 3 octobre 1921 n'était pas réclamée par le ministère public, ce qui explique le caractère politique du procès. Au moment où les tractations sur la crucifixion de Papa Kimbangu après sa condamnation allaient bon train, avec l'appui des religieux catholiques, en date du 4 octobre 1921, M. Dupuis, ministère public, contre toute attente, introduira un recours en grâce en faveur de l'homme d'un Kamba, ce qui pouvait logiquement sursoir l'exécution de la condamnation. Kimbangu subira toutes les humiliations de la part de ses juges qui ordonneront aux militaires qu'il soit frappé de verges et que des jets d'eau froide soient déversés sur lui pour qu'il dise toute la vérité sur l'affaire. Et cela, il l'accepta avec courage. Lorsque des questions lui seront posées sur la religion, et en particulier sur la sienne, ses réponses sont celles d'un excellent chrétien qui croit à Nzambi, à Mbongo, le Dieu Tout-Puissant, et à la Trinité. Rappelons que Kimbangu a été catéchiste et qu'il fut aussi un chrétien sincère et incontesté. Est-ce ce fond de christianisme resté en lui et dont il s'était imprégné depuis ses plus jeunes années qui l'a empêché de provoquer des effusions de sang? Et pourtant, cet homme, qu'on accusait de xénophobie, eût été capable de tout. Après toutes les humiliations subies par lui de la part de ses juges, un geste, un seul geste qui suffit dans un moment de colère ou de vengeance pour déclencher une action à main armée. Il ne l'a pas fait. Kimbangu était conscient de tout ce qu'il faisait. Il n'a pas voulu rendre le mal pour le mal et faire répandre ainsi le sang des hommes pour des raisons personnelles. Formé dès ses plus jeunes années par la morale chrétienne, Kimbangu haïssait toutes les méthodes de force et prêchait l'amour que tout homme devait avoir dans son prochain. Le prophète n'a transmis à ses adeptes aucun mot d'ordre qui eût excité les esprits. Croyant convaincu, il s'en est remis à Nzambi, à Mpongo, pour rétablir un jour la justice entre les hommes de peau différente. Quoi qu'on en ait dit, l'esprit chrétien reçu des missionnaires protestants avait toujours imprégné le mouvement kimbanguiste. Cet esprit chrétien a prévalu et dominé en bien des points la pensée de Kimbangu. Il faut ajouter à cela qu'il fait preuve de maîtrise de soi-même et de sagesse africaine, qualité d'ailleurs essentielle dans la société Bakongo, et exigée des jeunes gens destinés à diriger les autres. Plus que jamais, il convient de reconnaître que ce fut une grande victoire pour Kimbangu, qui n'a cessé de se rappeler « Tu ne tueras point, Dieu n'est ni blanc ni noir, il a créé tous les hommes semblables ». Je pense bien en tant qu'homme vivant. Matériellement et spirituellement, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer en tant qu'homme vivant, matériel que je suis, être Papa Simon Kimbangu. Je m'explique que la médaille qu'on remettait à mon père, elle ressemblait totalement à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme moi je le suis. Mon père, il est réellement papa, tel fils, tel père, tel fils. Donc si je prétends me dire être Papa Simon Kimbangu dans le sens tel que vous le comprenez, je pense que ce serait vraiment de l'orgueil de ma part. Papa Simon Kimbangu, c'est un saint. Moi, je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que, étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simon Kimbangu étant, en ce moment bien précis, spirituel,
Mais comparé à lui, c'est trop grand. Mais comment vous expliquez que vous soyez né le 18, enfin la date annoncée par votre père, si c'est votre père, si c'est pas vous-même? En 1910, moi je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui. En tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial, donc il avait une certaine méthode d'expliquer des situations. Et moi, quand je dois dire que je suis Papa Simon Kimbangu, aïe, c'est grave. Il est né le 12 septembre 1887. Et en 1910, il déclare que je vais renaître en 1918. Il a eu des raisons à lui, en tant qu'homme spirituel. Quand je dis c'est un envoyé, réellement c'est un envoyé. Parce qu'il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Ce n'est que par après que nous nous sommes aperçus que lui, il n'était pas un homme comme moi. Je le suis, moi et vous. Pourquoi? En 1921, le 6 avril, quand il a commencé son travail, ce n'est qu'en ce moment-là que maman nous faisait beaucoup de révélations. Maman nous disait, eh bien, voyez-vous, maintenant je découvre pourquoi tout le temps, votre père était sévère en lui-même, à nous et à vous autres les enfants. Sa sévérité spirituelle démontrer réellement qu'il avait en moi une mission spéciale que nous ne comprenions pas. Donc à partir de ce moment où maman nous expliquait que ce n'était pas vraiment un homme comme nous, il était tout à fait différent, alors ce n'est qu'en ce moment-là nous nous sommes aperçus, et là, ce père-là semble être un peu sorti de quelque part, ou nous sommes peut-être sortis, puisqu'il est né de Tata Koye à la Yerimama Louézi. Mais il a eu une grande différence à cause de ses procédés spirituels qui le détenaient, qui dépassaient notre imagination. La réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça maintenant? Qu'est-ce que ça apporte au sein de l'église kimbanguiste? Eh bien, au sein de l'église kimbanguiste, tout d'abord, pour nous, c'est une grande fierté. Papa Simon Kimbangu, qui a été pourchassé comme un véritable gibier par tout le monde, que ce soit des côtés blancs, jaunes, rouges, noirs même, nous l'avons pourchassé. Nous l'avons traité de tout. Nous lui avons prêté les intentions qu'il n'a jamais eues et qu'il n'en aura jamais. Mais on l'a traité de magicien, d'un grand sorcier, d'un rosicrucien, d'un franc-maçon. Eh bien, maintenant, certaines circonstances ont forcé le gouvernement colonial pour détruire ce qu'ils ont semé à travers des années du 12 septembre 1921, date de son arrestation, jusqu'à la fin de sa vie. Il a été traîné dans la boue tout en le prêtant. Tout ce que je viens de vous citer tout à l'heure, et inculquer même aux enfants, jusqu'aujourd'hui, on continue à les traiter d'un imposteur. Pourquoi? Parce que nous avons été colonisés et les séquelles de la colonisation, qu'on le veuille ou non, restent vivantes. À partir du moment où ces séquelles restent vivantes, il nous est matériellement difficile pour essayer de nous dégager. Les solutions qui peuvent y venir ne peuvent sortir d'ailleurs que de Dieu lui-même. Que chacun de nous se fasse un effort pour essayer de se découvrir et se connaître soi-même. Qui suis-je moi en tant qu'homme noir? Notre frère qui a été arrêté parce qu'il a prétendu être au service de Dieu. Il a été envoyé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, pour qu'il vienne continuer son œuvre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas parvenus à nous découvrir, mes chers amis, nous continuerons toujours à dépendre des autres.
Ces procès, en une véritable parodie de justice, divisera en deux camps les Européens. Le premier camp, celui des durs dans lesquels étaient M. Derossi, juge, et M. Brenet, journaliste et propriétaire du journal Avenir Colonial. Ces camps luttaient bec et ongle pour la condamnation à mort du prophète noir, malgré le caractère pacifique de sa mission. Le deuxième camp, celui des modérés dans lequel était M. Dupuis, ministre public, mais soutenu par le journal Les Progrès Colonial. Ces camps militaient pour l'allègement de la sentence jugée trop sévère pour l'homme d'Nkamba. Car les modérés estimaient-ils que pour une répression sévère, il n'était pas bon d'être inutilement inhumain. Les différents miracles réalisés par les prophètes noirs, bien qu'entourés d'un certain humanisme, étaient loin de faire l'unanimité. Traqués, arrêtés, emprisonnés, jugés et condamnés à mort par le tribunal militaire, Simon Kimbangu échappera belle à sa crucifixion le 4 octobre 1921. Et 30 années plus tard, en cette même date, le prisonnier le plus discipliné de Kasongo brisera son silence en sortant de sa cellule sans que ses geôliers ne le lui donnent l'autorisation. Interrogé pour son geste, le prisonnier Kimbangu répondra en ces termes. Je cite, « Dans cette cellule, je n'y rentrerai plus jamais de mon vivant. » Cette déclaration mettait ainsi fin à son long et humiliant emprisonnement. Et quelques jours après, Papa Kimbangu sera conduit à l'hôpital après être atteint d'une courte maladie qui ne mettait pas en danger ses jours. Ah, Simon Limbangu, yo sangona etambulilo kwa yezo. Ndenge nini ngai na mwani pasi na misho na ngai yo. Soko jai moto na njambia solo ubiki za ngai te. Bo. Ye aseki. Alubi solo, jakuro balikambu ya solo. Abwaki soyo na ye na maboko na emoko. Tangu ate na liboko na misho na tata wana kupaka misho. Misho na ye zongi lokola. Ndenge tata na ya botaki. Bongo, tangu yango wana. Tongo tani na pera to yina musala kona okengre bato na fizo na kasombo bo mondere mo sesirepe dikter atali moto wana gwangoma misu na yinyo so ifungulani albi koma abengisi ye na misu na baso da yinyo so na bato ya ndoro batremi albi yo o misu na yo kufa ndingi ni misu na yo komi bo wana seja ya zaba albi koma abi ndenge nini penja moto yo misu na ye esalibu ya solo mondele atika kotuna te misu to lale wa mbula na mbula to mwana ka moto yo misu na ye kufa ndenge nini misu na ye komibo ya lo mi mondele na ebi ko bomba ye temo se te femo se kaso mbo bino ba mondele o jali ko kangani moto pamba bino yebi makamuna nja tala moto yo Simo Imbango atenga kaka soi pamba tena misu na ngai mbula mine yao na pizo misu na ngai ye komilo kwa tatana ngai ya bota kengai bongo bino kotuna nini na kati na mino mindele o ebi ko sala lika mondenge yete moto bikizinga ezaliye epeba mindere bakamwa ki troba bengi tata wana gwangoma moto bete ki pimbo wana jai sezalo zabo jai moto na belevi pimbo eh babete pimbo mwambe balibi denge nini yoke ndeko sola na simo simo akamati mama lale malale wana jaki malale makasi te fevere kamati ye bakamati bate na fizo oyo na kati na hospitalo na isa vedivi l'hôpital wana ezainda ko moko molai bato musu ba koto kote paka bato ya fizo ba konda izo gazana malale ba ko jana kat na nda ko wana ba soda ba zayo kende kola sinji na bango donc ba prisonnier ba zaki na isika na bango prisonnier mo bimba nda ko ngomo bimba paka prisonnier tango to la sinji wana e komina sengale ya tongo tango ngonga mo pero zako bete ya yambo na wuki kaka
ngengere zako ya kuna ibanda ngerere ngerere ngerenge babeti pote yungaye na jakinangu na tema boko na posi na ngai na bimisi mafunguri na funguri molango nani pote na fijo mbo masere kasimira koti oe masere musiju ba tuakataka yedi ba kataka yedi bena tumba ya kalandi kala senga koti ale na mopere baleki mbeto moko mi bale misat kati na mbeto misato wano azako lala azako lala lala na ye na akamati matalana ya te na se na sima kuse misato kwa na moto misato wano makura azako lala na ye na se na sima na matalana ye ndo kumba prisoni bazaki na mbeto te bazaki bango nyoso tu bazaki na mbeto ya ringaki kwa lala na mbeto te ate na ye matala na kati ya sima uleka mbeto moko mi bale misato katika na mine ate matalana ye wana bo ba masere na kasimir na sango baliki ba 3000 bose na ye ye numero 1 ngana jamo krit na jamo krito ya katrik na jali ngombe pe simo jali mokongo na ibi ko globali kambo ya lukutate ho na mwana kina miso sikawa abenginga numero 1 arbi mwana nga tumikes tuli nga na ba mindele eloko nini ba yiko salawa tangi yangote na kubenga na bino bino banzi ngai soki na jago kufa na jago kufa nde mutuna na ngai na miso na njambe na bino ba mendele ndenge bino salinga mabe na jago kufa malale tena kufa mituna si mara mituna na ngai soki na kufi bino ba mendele okomona pase si mara ngai isigaya lo biboyo ba masele nyonso ba bandiko bima bango na na mupere ba bimi bake tangu ba bimi bake to tikali na sizi la penza ye moko akamati sito kuse yo ye mi ba mezaki kuse misato na moto misato na makoro akamati mi bare kona pandisi na makoro yo na kuse mo ya makoro la pandi ro kwa ndenge nga pandi po alobi bino bana na ngai bato la pisoni tremeni nyoso ko ya kuzi ba lero pona ko yebe sa bino pena mi bale lero na ko kufa na toazele ya mui Ezaki mo koloni nyo. Ezaki mo komisa mitan. Kopule 12 octobre. Komisa mitan. Sikawa ngai na malupana ngai na tuninde kuna ngai jambe ro posi muni ngai ngai soda na mono kona mboka ngai bikoma. Ndini nini mobali yezi tatawe. Azena malali makasi te aluba ko kufa na toazi ako kufa na ndenge nini. O nde kuna ngai wana bongo ni maloba. Abi e yeze kunde kwanga. Yo tango bisu jaki bana tuza oka sango na simo. Paka tuza ibana oluba na motori kambo moke. O yo bongo ni simo. Peba kangi bisho na mwesana suda tu yi tu kengeri na boloko tu mwani miyala kina ye. Ndenge yi ya lo bibi anga sindi na biso boyo tu kotala kaka. Ako kufa lukula iseki. Zambi sangu na ye etambo yi lukula yezu. Tika kolo bandengi wanga habi wapi lukuta akufa te. Muta jay malale te. Malale moke boyo pasi ya moto pamba akufa ndenge nini. Mbo. A yebe si bato ya boloko. Lukula ngana kukufa na tuazere ya moi. Bino kubosa na likambo ya njambe te. Na jako yebe sa bino, babana na ngai basoda misato, bapumika esi, bazali kuhoka ngai. Na kukufa na tuwaze juit. Na mibale, kusambi na njambe mikolo nyonsu, njambe zali tebe pote, o kende na ndako na njambe, ni njambe ndima yo lukuta. Njambe kwa ndima yo lingi kulala, usambi li, o lingi kende mosara, liboso sara mosara, sambi la ye, njambe kukitira ye. Njambe apone sika mokote. Moke boyo ale na toazere mo even abenge si bango abiba na ngayaka makamungana lobaki ese koki sigawe linge koka tango bango baye ba tremi ba singi biso pe ba soda misatu wanale to tremi kala wana ngai kwa pepe na ye boy wana bozo telema na babunduki na mundoki to na to tremi kaka boy ye oyo apandi na 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 kusina ye boy batonyo kwa ezali boy ya zaki na ipana gosi ya bambeto ya gosi njoka ndia ya gula na mbeto te na sena na sima tangu wana ikumi boyo ye kukuma tuazere mwe vend abengi si bango ba ye ba treme alubi bana marubana ngana suka we ngana za kukufa na tuazere zite bino moko kutala ba lele yango yu jaina na bapumikesi na jago lo barikambo ya solo lukuta te ko bosa na likambo na njambe te azali ko pesa penda mungongo makasi abi likambo na njambe ko bosa na te bana ngana jago kufa na toazere zi bongo bino ko bosa na likambo na njambe te lukula ndenge na yebisi bino motino na yebisa ki bino riboso tango wana azalo bana monoko na swahili ubena lingala azako bana ingala
tangwa sezi bwe komi 3h08 abendi paka kusina yewana na moto mibale moko tika iko na bakezi di corona yemo susu tangwa bakezi wana arbi bana tika malamu mbote ngai na sia kaina ngai lokwa ndenge ngai na lobaki na bino na ko kufa yo na kufi ezai mo tuna na ngana misatiri bitiri boko na yewe amo boko na yewe amo bade atute wana panje na ki mbala moko ajongeza tuti 3 ona gosi ndenge moko dokora mbrasis na mwani paka akperi kuna matala na yewani kope mate nini te ukura mota kufite la lika kandenge wana doko asali matata te loko matata ta mokete ta pika kaboyo nyen Il est vendredi 12 octobre 1951 à 15h. Papa Simon Kimbangu rendra l'âme au plus grand étonnement de ses geôliers et enterré un jour après au cimetière de Sapin dans l'indifférence la plus totale. En 1960, 9 ans après sa mise en terre, Papa Diangenda Kontima Joseph, chef spirituel et représentant légal de l'église kibanguiste, à la tête d'une importante délégation, se rendra à Lubumbashi, au Katanga, pour procéder à l'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu. Mais, avant cette cérémonie historique, une visite de la prison où fut détenu Papa Kimbangu, 30 ans durant, n'avait pas échappé à la curiosité de la délégation. Question de toucher du doigt certaines réalités historiques qui restent encore vivantes et présentes. Car les conditions inhumaines dans lesquelles Papa Kimbangu avait purgé ses peines et les injustices qu'il avait subi pendant 30 ans de sa détention ont sérieusement marqué les esprits des visiteurs. Des bonheurs, les fidèles kimbanguistes du Katanga, dans un chagrin profond, prendront d'assaut le cimetière de Sapa le 25 mars 1960 pour participer à l'événement. C'est dans une ambiance dominée des chants d'adoration et des louanges que l'opération d'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu a eu lieu sous les regards attentifs de l'autorité coloniale. Si le plus vieux prisonnier du monde a été condamné avec humiliation le 3 octobre 1921, mais l'exhumation de son corps 30 années après sa mort, le 25 mars 1960, a été réalisée avec honneur et grandeur, en magnifiant sa pensée et en honorant sa personne.